Hey tout le monde, on espère que vous allez bien mes petits amours. Non, ça sort vraiment plus là, je peux plus. C'est trop drôle. Mes amours, ça fait plus d'une semaine, bah depuis vraiment qu'on... Non, bah ouais, là, plus d'une semaine depuis qu'on parle de déménagement. Je suis tellement fatiguée que j'ai perdu ma voix d'ailleurs. Ne faites pas attention, mon allergie part. Je suis trop contente, mais bah voilà, mes yeux toujours fragiles. Et là du coup, j'ai des petits yeux car je suis très fatiguée. De deux, j'ai plus de fossiles. C'est trop bien le déménagement. Je retrouve pas mon carton. Voilà. Mes amours, on est trop contentes de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau 24 heures. Donc mes chéris, on est trop contents. Mis à part que j'ai le t-shirt de mon mec, j'ai pas de pantalon, je porte une veste autour parce que je retrouve pas mes vêtements. Ce matin, on a galéré à trouver nos vêtements. Le temps qu'on trouve les vêtements pour sortir les chiens ont fait pipi partout dans la maison. Et sachez que c'est une très grande maison, du coup, j'ai bien galéré. Et j'ai rien pour nettoyer à terre, du coup, j'étais en train d'astiquer avec avec ça. Allez, attends. Je suis en train d'astiquer avec ça et ça sur mes sols. À quatre pattes, t'imagines. On est enfin arrivé. Ah. Chante, ça résonne. Voilà, elle fait genre, elle est... On va vous mettre la réaction de Lilou et Swan dès qu'ils ont découvert la maison, justement. Mais je vais pas trop vous spoiler parce qu'on va vous montrer petit à petit. On va vraiment filmer un peu tous les jours. Et du coup, quand on fera une pièce, on vous embarquera avec nous. Après, ouais, on vous fera une vidéo avec l'avant-après de la maison. On va faire visiter la maison à Swan et Lilou parce qu'ils ont pas vu. Et on va voir leur réaction. C'est qui? Laisse-moi entrer. Je veux entrer. Ici, il y a un interphone où on peut voir la rue quand on sonne. Et tu peux même parler, regarde. Non merci, j'ai pas demandé de colis, donc va te faire foutre. C'est l'alarme connectée. Oh, j'ai mal aux yeux. Vas-y, je vous laisse voir la pièce principale. Oh, oh, il y a la piscine. Mais c'est que... Mais c'est que c'est grand ça. Attends, laisse-moi faire quelque chose. Et là, on a déjà fait livrer... on a déjà fait livrer notre fauteuil. C'est que ça sent déjà... Donc là il y a la cuisine. Franchement le luminaire il est à chier. On va vite le changer mais on s'en fout parce que tout le plafond il y a des spots partout. Donc en gros mais la cuisine on aime trop, on la trouve trop belle. Surtout que je voulais trop une cuisine équipée blanche. Ça c'est machine à café, four, micro-ondes. Il y a le frigo qui est ici, mais de toute façon je vous montrerai plus en détail dans d'autres vidéos. Là-bas il y a le lave-vaisselle et puis voilà, il y a plein de rangements. Donc du coup ça va grave changer de où on était. Non, ça c'est une armoire de rangement. Moi elle est verticale. Voilà. Franchement mes amours, ça va tellement nous changer notre mini cuisine. Sérieux, on n'avait pas de place. Quelle horreur, c'était phobique. Putain, moi j'appelle tout le monde ma chérie, mes chéris, mon chéri, du coup ça peut chier. On a combien de chéris? C'est déjà court, donc ma chérie c'est encore plus long que dire Lilou. Ok, je m'en fiche, ça prouve un peu d'affection. Ok, je l'appellerai ma chérie à partir d'aujourd'hui. Non, non, ça serait trop bizarre quand même. Voilà, alors tais-toi. Donc là on va manger, il nous a ramené à manger parce qu'on n'a pas de course. Mais justement après manger je vais me changer et ensuite on va partir aux courses. Et on vous prend avec nous. Organisé pour la décoration des champs. En bref, on a plein de trucs à faire et on va vous embarquer avec nous. T'es prêt? Mets d'abord un like à cette vidéo si vous voulez plus de vidéos avec nous. On va chercher des petits bonbons au miel parce que ta gorge... Mais j'ai dit à purée qui sort. Mais c'est quoi? C'est sûr que vous allez bien mes petits amis. Bref, let's go, on va manger, j'arrête de parler. Là mes chéris, on doit aussi aller voir pour changer la table et chaise. Parce qu'en attendant on a pris celle-là parce qu'elle est grave grande et tout. On l'a récupérée mais en fait c'est pas du tout la table définitive. Vraiment tout va changer. Donc on doit aller faire ça et récupérer le modem internet. Même ouais, on va voir pour le modem. Maman, c'est un bonheur pour les papilles. Bon app. Bon appétit, belle. Bon.
Je me suis brûlé la dent. Je me suis brûlé la dent. Comment on peut se brûler une dent? Attention, t'auras les mêmes que Patrick si ça tend trop. C'est trop drôle, vous savez. Par où faire ailleurs, toi? Ah si. Eh bien, mon amour. C'est trop bizarre, mes chéris, parce que vous souvenez, j'ai une bête d'allergie sur mes yeux. Et là, je viens de dire à mon chéri, c'est bizarre, ça va grave mieux à mes yeux et tout. Genre, bon, vous avez vu, c'est encore un peu sec, mais j'ai plus de plaques et ça me gratte plus. Et je le regarde, je dis, mais what the fuck, ferme tes yeux. Regardez, c'est lui qui l'a attrapé en les paupières et en dessous. Lève tes... Ouvre, regarde. Voilà, yeux tout rouges. Et franchement, c'est obligé, il a aspiré mon allergie pendant la nuit. Moi, je lui dis tout le temps qu'il a un pouvoir, vous allez rire. Je lui dis tout le temps, mais ouais, mais toi, t'as grave un pouvoir de guérisseur. Et quand je lui tire les cartes, parce que j'aime trop tirer les cartes, à chaque fois, ça fait pouvoir guérisseur et tout. Et là, il est en train de partir, c'est lui qui l'a, genre. Il a aspiré mon allergie. Moi, j'aspire, mais je veux pas la garder. Comment on fait pour l'évacuer? Il faut que tu le fais caca. On va voir si elle est belle. On va voir si elle est belle. Bien. Non, on va s'en servir, descend. Et mes amours, j'ai l'impression qu'en ce moment, tous les cartons, ils sentent la merde. J'ai l'impression qu'ils ont tout fait à partir de matière recyclable, donc c'est cool, mais qu'est-ce que ça pue. Voilà, mes amours, elles sont trop belles. C'est des tables de chevet en marbre. Le plateau, il est extrêmement lourd, mais vu que le truc, il est pas lourd, ça compense. Et soit vous mettez comme ça, comme nous, on va mettre de chaque côté du lit. Soit vous pouvez le mettre en une table ronde, genre. Après, vous pouvez mettre comme ça, bref, on vous montrera, mais j'aime trop, elle est trop belle. Par contre, Maison du Monde, c'est pété, quoi, le coin. Et à presque 300 balles les tables de chevet, je suis déçue, mais moi, je suis du style à pas vouloir attendre, donc je suis du style à pas renvoyer. Voilà. La fatigue se fait ressentir. Et voilà, quand on est dans la dèche, qu'est-ce qu'on fait, mes amours, voilà. Après avoir passé la nuit à conduire, il est fatigué. Et vu que les déménageurs nous ont pas encore ramené nos meubles, monsieur, avec ses chaussettes noires, je tiens à préciser, dégueulasse, fait dodo sur le carton de mon fauteuil. On dirait un cadavre. On dirait que je l'ai tué, mes amours. Regardez ce que je viens de faire, je sais pas où le mettre. Aidez-moi. Je vais venir avec que toi. Ça te dérange pas? Non. Oh putain, je suis abusée et à mourir de rire, j'ai trouvé ça dans mon placard. J'ai trouvé ce jean Levi's qui est largement trop grande là et qui me boudine les fesses. Et en plus de ça, il est même pas repassé. J'ai pas de chaussettes parce que ben, je retrouve pas, donc si vous me croisez dehors, soyez gentils. Là, j'ai fait la queue de la dèche. En plus, j'avais bien lissé mes cheveux, mais j'ai la flemme. Qu'est-ce qu'il fout sur la table celui-là? Non mais... Les quatre pieds. Les quatre pieds, Lilou. Ma voile sort plus, ça me saoule. Oh là là, même ici c'est plus lumineux. Même il n'y a pas de soleil. C'est démasqué. Quatre pieds, Swan. Ça compte pour des pieds. Il y a quatre pieds, pieds. Chaussée au moine, la coupe de Swan. Si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, mes amours, il n'y a même pas une semaine, donc il y a 4-5 jours. Swan revenait du coiffeur et il avait dit que quand on aurait la maison, ses cheveux auraient repoussé. Et c'était vrai, regardez sa tête de moine. J'ai pu lui dire beau gosse maintenant, c'est terminé. Vous pouvez dire dans les commentaires hashtag coupe au bol. Moi quand je me réveille, c'est pas pour que tu dis que je suis belle gosse. Elle est belle, Lilou elle est belle aujourd'hui. Non, hashtag Lilou la dégueulasse. Toi c'est bon, tout le monde te le dit tout le temps dans les commentaires, c'est bon. Moi? Ouais toi. Ah menteuse. Quoi? Décidez dans les commentaires. Bah je te le dis pas, t'as qu'à aller les lire. Vous mettez dans les commentaires hashtag Team Swan, hashtag Team Lilou. Je disais, votez Team Lilou et votre vie sera meilleure. Et je vous offrirai un plafond lumineux. Pas comme mon avenir, mais quelque chose de lumineux. Et des chips. Ouais. Très intéressant. Si vous votez pour moi, vous aurez des abdos. Des pectoraux. Bah je pense que les filles vont pas voter pour toi, elles veulent pas de pectoraux. Donc mes chéris, moi j'aime bien cette table là, c'est comme ça que je cherche avec un plateau en bois, sauf que là c'est un genre de revêtement et moi je voudrais du vrai bois. Mais bref, j'aime trop. C'est absolument celle-là mes chéris. J'ai dit pareil pour l'autre, mais là c'est vraiment en vrai bois coupé et tout. Mais franchement le prix 1900 euros.
Si j'achète cette table à 1800 euros, je vais l'acheter, ok? Mais je vais repartir, on va être comme ça. Venez, on va boiter ensemble. On va repartir comme ça. Bon, moi, j'apprends plutôt en chaise. Tellement... Dans le milieu, on l'appelle la chaise sensation forte ou la chaise de taureau. Chaise sensation forte au prix de 4500 euros. Lilou, tu fais quoi? Tu testes la fiabilité? Ouais, je teste la dangerosité des meubles. Bon, je pense que c'est bon, Lilou, le pied il est bien fixé. Une fois que c'est bon, t'as bien testé. Bon, bref, ma chérie, je vais réfléchir quand même parce qu'elle est vraiment magnifique. Mais bon, je veux dire, c'est des tables qui sont faites sur mesure. Donc, moi, j'adore la couleur, etc. Donc voilà, et le délai il est un petit peu long. Ugly. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est ugly. C'est beau. C'est trop beau. Moi, je veux trop des vases comme ça et tout qui font très art. Moi, je veux ça, maman. Ah, j'avoue, c'est beau ça. Il faut d'abord voir le style de ta chambre. Et là, il y a un vase Vivian. Si vous avez la ref, mettez-moi en commentaire. C'est quoi Vivian? Swan, il dit qu'il veut faire sa chambre. Qu'est-ce que tu veux, Swan? Je veux faire ma chambre en mode or. Très luxueux, hein, Swan? Je veux ça. Très goût de luxe. Il veut ça. Noir et or, tu veux faire? Ouais. Hein? Ouais. On verra. Et le truc que Vivian l'a montré. C'est bon, du coup on a trouvé ce qu'il nous faut à Maison du Monde. Maintenant on n'a pas trouvé nos assiettes, donc on va aller voir la cave. En fait on est parti pour des assiettes, mais on a tout acheté sauf des assiettes. On aura qu'un particulier toi? Hein? On cherche un particulier? C'est toi qui en cherche un. Regarde maman, ils sont beaux ceux-là. Fais le cas. Pour toi. Pour toi. C'est chiant, pourquoi? Pour toi. M'en fous, c'est un très grand homme. C'est un très grand homme, mes amours, il critique. Mais je critique pas, je suis pas comme ça. Bon, je suis venue ici parce que j'ai une bibliothèque faite sur mesure dans ma salle à manger, mais je vous montrerai. Dans mon salon, pardon. Et je veux grave des livres de... Elle est trop belle. Combien? 35. Plus si belle. Elle est très mauvaise qualité. C'est qu'une peluche, quoi. Enfin, j'en ai déjà assez, quoi. Alors, quel son que t'as appris? Fais du ukulélé. Maintenant, je préfère la prestation du monsieur derrière. Oh, là-bas, tais-toi. Voilà. Les filles, regardez, hein, si jamais vous êtes intéressés, il pourra venir vous jouer du ukulélé au bas de votre balcon, comme Roméo et Juliette. Non, c'est du ukulélé. C'est comme les... Et sous l'aile. C'est parce que tu crois, oh, pour un cadeau pour toi, c'est pas pour moi en plus. Ouais, elle a du joli sur son pied. Bon, mes amours, du coup, là, on a flingué les magasins de déco. On a trouvé tout ce qu'il nous fallait, enfin, une partie. Plus que ce qu'il nous fallait, parce que de base, on n'était vraiment pas venu pour ça, mais le coffre, il est plein. Maintenant, on va aller... Mais il va nous rentrer dans le con. Maintenant, on va aller à Lidl. Ne scupule Lidl. C'est pas grave, tranquille. On va faire des courses, on se retrouve à la maison, on vous montrera tout ce qu'on a acheté, niveau déco et tout. Là j'ai ma voix, ça y est. Oh là 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 là. Alors mes chéris, aujourd'hui nous allons faire le retour des courses. Tu déchutes. Alors, tu fais ta bouche. Un pack plutôt. Un pack de feuilles noires. Excusez-moi. Pour les occuper pendant le déménagement parce qu'on n'a pas encore internet et tout, c'est la galère. Exactement. Ils font trop ça en plus. Un peu, hein, tout ça.
Ensuite, on allait faire les courses au final à Intermarché parce que je devais récupérer deux colis H&M et du coup, ben, c'était plus proche vu que c'était à Intermarché, le point relais. Donc, on a fait nos petites courses, mais on a pris juste pour ce soir, demain, vraiment en gros, et on fera le plein de courses demain. Swan, tu nous présentes les meubles qu'on a trouvés, la petite déco. Ils sont où? Là-bas. Oh putain. Bon, il fait un petit peu noir, mais regardez. Oh, Swan. On a trouvé cette petite table à Maison du Monde. Je sais pas si vous la verrez bien. Genre un peu en mosaïque beige et pied or pour ma salle de bain. Et ça, ça fait, enfin, pour une des salles de bain, du coup, pour la mienne dans ma chambre. Trop, trop belle. J'ai trouvé mon miroir pour ma chambre. Et j'ai trouvé... il manque des choses. Casa. Ah, oh, casa. C'est la casa. Je vais quand même vous montrer la vaisselle, quoi. Parce que voilà, quoi. Mais en fait, là, on a trouvé des verres. Non, vas-y, vas-y, attends. Attends, je prends le sac et je déballe. De toute façon, je vous avais promis que j'allais vous montrer la cuisine. Non, mais franchement, elles sont trop belles, regardez. Un peu mosaïque à l'intérieur. Et vous voyez pas bien, hein. La lumière, elle est jaune, mais elles sont magnifiques. Et si, comme ça. Trop belles. Et du coup, pour Nouvel An, on a pris le plat qui suit avec. Alors, ça va plaire ou ça va pas plaire. Moi, je trouve ça très design. Je dirais des pièces de créateurs. On a pris ceux-là. Oh là là, vous voyez bien, ils sont blanches. J'aimais bien la forme et il fallait des assiettes plates. Ouais, Akaza, 9,95€. Les bols, regardez, ils sont trop jolis. Et les bols normales pour Lilo et Swan, bon, les serrer. Allez, tout, c'est ce. Vous voyez pas trop, le revêtement, il est trop mignon. C'est un peu comme mout-mout, je sais pas comment le dire. Non, c'est un mout-mout. Oh, regardez, c'est trop mignon. On dirait un matière coquillage. Ouais, on dirait des coquillages. Je fais ça pour mettre l'huile. C'est... J'espère que vous voyez bien, mais je trouve ça trop mignon. Donc là, regardez, c'est trop bien ça. J'ai pris ça pour faire sur mon TikTok skincare, écraser des choses. Moi, j'aime trop écraser des choses. Vas-y, petite démo. Maison du Monde, j'ai acheté ces verres. Ils font très verre de princesse. Ici, regardez, on dirait des bougeoirs. C'est un peu trouble. Ensuite, j'ai acheté ce petit visage très design. Je vous dis, je suis très en mode... comment on dit ? Musée. Là, mes amours, on a acheté une bouteille comme ça à whisky. Enfin, après, je pense que ça, c'est une bouteille juste pour le whisky. Mais avec un bouchon. Ouais, vas-y. Et elle est trop lourde, genre. Elle est... Attends. Je vais la tester. On a acheté celui-ci, pareil, pour écraser les trucs et tout. Mais celui-là, je vais garder pour la skincare, justement, l'autre pour la cuisine. Swan, il s'est pris ce cadre. Vas-y, va comprendre. Il veut sa chambre couleur or, vous l'avez vu, de toute façon. Ensuite, ce visage. C'est très tête, hein. Et dedans, je vais mettre des fleurs séchées. C'est trop joli, genre très design. Et ensuite, Lilou et Swan se sont pris ça, là. Des boîtes à messages lumineux pour mettre dans leur chambre. Et moi, mes amours, du coup, j'ai pris ce cadre-là pour ma chambre où je verrai, puisque j'ai commandé un fauteuil pour le salon, comme ça, avec du mouton. J'adore cette matière en ce moment. Et il est trop cute. C'était le dernier, donc je suis trop contente. Là, maintenant, j'ai ouvert mon colis H&M. On va voir le premier s'il n'y a rien de pété, parce que je sais qu'H&M, parfois... vas-y, tu reçois des trucs, c'est pas la bonne couleur et tout. Donc là, mes amours, j'ai commandé carrément tous mes housses de coussin, mais vous verrez que mon fauteuil, il est incroyable. Bref, je vous montrerai de toute façon quand on fera le salon cette semaine. Donc j'ai pris des housses en lin comme ça. Beige, elles sont trop belles. Belle pièce. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Je vais acheter ça, mes chéris. Je suis cute comme personne. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Comme tout le monde en gros. Bref, il y a un socle marbre. Ça, c'est un vase. C'est la seule pièce que j'ai pris en rose clair. Je vais les mettre dans ma pièce. C'est pas pour ici. Il est trop mignon, c'est pour mettre dans mon studio YouTube. Sur mon bureau. Trop beau. Ah ouais, j'avais acheté le Yves Saint Laurent, j'avais oublié. Yes, il l'avait sur H&M, mes amours. Là, j'étais dégoûtée parce que je suis partie chercher. D'ailleurs, je vais vous montrer. Attends, je te présente. Je suis partie à Cultura. Oh, Nardine. Trop beau. C'est le Yves Saint Laurent. Et moi, j'ai déjà le Dior, le Chanel et le Vivienne Westwood. Et vu que je vais mettre dans ma bibliothèque, vous allez voir dans mon salon, ça va être trop beau. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les autres que j'ai achetés. Parce que là, de toute façon, après, c'est les coussins qui sont roulés. J'espère que c'est la bonne taille de coussin pour les bonnes housses. Logiquement, j'ai bien fait ça. Hein. Et ce livre Dior-là, Dior Forever, par contre. Je sais que vous allez me demander le prix. Il est à 42€, donc ultra cher, mais l'intérieur il est trop beau. Genre, il y a des déroulés et tout. J'ai pris le Guerlain, mais celui-là, si je vais le lire, il est trop bien.
Et le Vivienne Westwood, du coup, que j'ai payé la peau du cul. Mais j'adore les livres de défilé. C'est même pas que pour faire beau, c'est vraiment que je suis trop fan des livres de défilé. Donc voilà quoi. Et surtout, on a récupéré le modem internet. On va pouvoir, du coup, bientôt avoir internet. Un technicien va venir, va nous mettre la fibre et tout. Donc trop happy. Trop happy. Oui, il est happy, oh. Il est happy, oh. Allez, c'est bon. Qui veut un fromage? Je crois que vous avez faim. Et quand on a faim, on est tendu. Voilà, mes amours, du coup, pour le petit retour des courses déco de ce qu'on a fait aujourd'hui. Du coup, on a un peu couru partout pour chercher ce qui nous manquait, surtout la vaisselle. Mais voilà, et je vous ai promis de faire la réaction de Lilou et Swan à la maison. Donc, vous n'avez pas le tour complet, mais vous avez quelques réactions. Le tour de la cuisine en vitesse. Et si je ne vous montre pas plus, c'est parce que d'ici la fin de la semaine pro ou d'ici la fin de cette semaine, dans quelques vlogs, enfin, dans un room tour de la maison, une fois qu'on aura installé nos affaires, on aura repeint les murs. Bref, mes amours, on se retrouve très vite dans un prochain 24h. Enfin, si vous voulez, si vous mettez un like et que vous me le dites en commentaire. Sinon, si vous voulez pas, vous me le dites aussi. Et en tout cas, je tiens à vous remercier aussi. Je parle beaucoup, je sais. Mais voilà quoi, grand discours pour l'accueil que vous avez fait à notre premier. C'est un 48h du coup. À notre première vidéo vlog du coup concernant le déménagement. Merci beaucoup. Et que la série continue parce que maintenant, on va grave faire de 24h. Puisque voilà, on a grave d'espace ici. J'ai trop hâte d'aménager ma pièce skincare, mon bureau YouTube avec vous. Si vous saviez, je vais le faire pépite. Bref, like dans les commentaires si tu veux voir l'installation de la chambre de Lilou, l'installation de la chambre de Swan, l'installation. Gros bisous. Mouah.